Beethoven, oui, toi, qu'as-tu fait? Tu as écrit cette chanson accompagnée à la guitare, et c'est pour cela que coule cette larme sur ta joue. Tu as jeté tes yeux sur cette petite viennoise si jolie et qui joue si bien de la guitare, je l'ai bien vue. Oui, elle s'appelle Antonie Brentano. Beethoven, es-tu un Italien? Es-tu un Espagnol? Croyais-tu pouvoir la séduire en lui donnant cette mélodie pour qu'elle s'accompagne avec son instrument favori, comme si tu lui donnais toi-même la sérénade? Oui, je la lui ai offerte et même dédiée. Regarde, elle l'a même écrit de sa main, si gracieuse, sur mon brouillon. Sauf que la petite viennoise l'a trouvée un peu triste et l'accompagnement de guitare mal écrit. Alors tu as été jusqu'à assister au concert de ton ami Giuliani pour te remplir les yeux du maniement de l'instrument, dans le seul but de te pénétrer de sa technique et de ne pas faire souffrir les mains de cette Antonie en écrivant des choses trop difficiles sur la guitare. Oui, car je veux lui écrire une nouvelle œuvre, rien que pour elle. Une petite sonate pour guitare seule. Oui, dans le goût du jour, frivole et léger qui plaît tant à Vienne et qui, crois-tu, séduira ta petite Antonie, avoue-le. Car légère et frivole, Antonie l'est. Et comment ? Je le sais, et je ne veux pas l'assommer avec mes états d'âme si tourmentés comme habituellement, ça l'effraierait. J'ai déjà écrit l'Allegro et le Minuet, mais c'est écrit dans le style de ma jeunesse. As-tu bien suivi les conseils de Giuliani au moins? Oui, et j'ai bien fait attention qu'aucune note ne dépasse la corde la plus grave. La plus haute. J'ai remarqué combien les guitaristes étaient friands de cordes à vide, et j'en ai usé et même abusé. Donc, cela s'adaptera parfaitement à la petite guitare d'Antonie. Toi, un Beethoven, écrire ces cadences vulgaires juste parce qu'elles plaisent ton guitariste? Je sais, une chanterelle à vide, c'est un cliché. Ce n'est pas une invention géniale de ma part.
Mais Anthony est habitué à jouer des bluettes de tous les petits maîtres qui pullulent à Vienne, comme Diabelli, Von Kahl et d'autres. Je suis sûr qu'elle va adorer ma sonate quand j'aurai terminé les autres mouvements et qu'elle va la jouer avec passion. Pourquoi renoncer à ta véritable manière, à ton style héroïque, à ton âge ? Beethoven, n'as-tu pas 42 ans sonnés ? Quand je regarde Anthony, j'ai toujours 20 ans. Et parce que je suis heureux et parce que je l'aime. Et pour elle, tu renoncerais à tout, même à ton véritable être. Tu sais que les gens qui t'admirent vont trouver que tu régresses, que tu te renies. Comment ? Écrire pour ce petit instrument juste pour les yeux d'une femme ? Toi qui avais agressé des violonistes en hurlant « Que voulez-vous que me fassent vos misérables cordes quand l'esprit souffle sur moi ?» Tu es tombé amoureux d'Anthony ou de la guitare ? N'est-ce pas la même chose pour moi maintenant ? Je me suis même enhardi à lui écrire une lettre. À Anthony ? Non, je n'ai pas osé lui écrire directement. J'ai adressé ma lettre à la guitare elle-même, la prenant comme mon interlocutrice. J'ai écrit que la guitare entre les bras d'Anthony est si belle et que ses notes sont si douces qu'on dirait des larmes arrachées au dieu de l'amour. En d'autres temps, tu aurais comparé ces belles notes de la guitare à de grosses gouttes de vin du Rhin que tu aimes tant. Une femme ne fait-elle pas changer un homme ? Même Beethoven. Mais au moins, Anthony a-t-elle répondu ? Hélas, non. Mais j'attends une réponse. Ça fait longtemps. Mais venant d'elle, ça ne peut être que tendre. Mais enfin, Beethoven, qui crois-tu tromper ? Ne vois-tu pas que tu ne la finiras jamais, ta sonate ? Mais si, et je la lui dédierai, et je verrai son nom à côté du mien sur la partition. Ne vois-tu pas qu'Anthony s'est éloigné de toi maintenant ? Ne sais-tu pas qu'elle va se marier ? Non, c'est faux. Regarde la vérité. Anthony va juste se consacrer à ses enfants. Alors, c'est vrai ce que l'on dit ? Elle va arrêter de jouer de la guitare. Eh bien, ce sera ma sonate inachevée pour l'éternité. Elle restera la bien-aimée, l'immortelle, tout comme ma sonate pour guitare. Beethoven, mais tu pleures. Nun sind auch deine Schmerzen mein. Nun sind auch deine Schmerzen mein. Nun sind auch deine Schmerzen mein. Thank you.